Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de présentation de l'écran Elite Screen Sable Frame B2. Donc je l'ai installé avant-hier. Donc c'est un écran professionnel, donc qualité supérieure comparée à l'ancien, avec bord en alu de 7 cm, recouvert de velours noir pour éviter toute perte de lumière extérieure. Donc le châssis, donc le cadre est composé de 6 morceaux à emboîter les uns sur les, avec les autres avec des vis à serrer. Ensuite, il faut déplier la toile, mettre des tringles sur les quatre côtés de la toile et accrocher la toile avec des rosters à l'encadrement de l'écran. Et puis après, installer des crochets au mur de niveau pour pouvoir l'installer. Donc voilà. Donc c'est un écran qui fait 2,54 m de diagonale pour une base de 2,22 m de projection. Sinon avec les deux côtés qui font 7 cm, ça fait environ 2,40 m grosso modo avec le cadre. Donc c'est un écran, je vous ai dit, de la marque Elite Screen. Donc c'est vraiment réputé, hein, eux sont vraiment... vraiment spécialisé dans le domaine. Donc c'est une toile transsonneur qui laisse le son passer si vous mettez des enceintes à l'arrière, et une toile technique, donc pour un meilleur contraste. Donc voilà, avec ceci, le BenQ W2000, donc très bon ratio de contraste, 3000 lumens. Et avec qui embarque la, comment s'appelle, la technologie REC 709, où il restitue à 85% les couleurs du film, comme l'ont voulu le réalisateur qui a réalisé n'importe quel film. Donc voilà. Donc je vous ai préparé un petit extrait du film Jurassic World Fallen Kingdom. Donc voilà. Bonne projection. Thank you.
Donc voilà, c'était un extrait de Jurassic World, Fallen Kingdom. Donc pour faire fonctionner tout ça, un ampli Onkyo TX SR 444. Donc c'est un ampli 7.1 canaux. Donc il est vraiment bien puissant. C'est un modèle de 2017. Donc là, c'est le film est en 7.1 Dolby Atmos. Donc les trois enceintes avant, le caisson de basse, les deux surround et les deux enceintes Atmos verticaux pour les sons qui viennent en hauteur, comme les hélicoptères ou une bombe, un astéroïde, peu importe. Donc voilà, on se dit à la prochaine.